L'ange numéro 44, Yelaya. Il régit du 29 octobre au 2 novembre. Il est l'ange des guerriers de lumière. Il nous aide à transcender les combats intérieurs et à devenir un guerrier pacifique qui est capable d'affirmer ses convictions avec courage, sans blesser personne. Il nous aide à donner de la force de rester solide face à l'adversité sans répondre par le négatif. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Guerrier de lumière, armée céleste, protecteur universel, guide spirituel, application de la justice divine, capacité de résoudre les conflits créés par notre comportement. Aide dans les initiations. Talent militaire au service des justes causes. Vie orientée vers la liquidation des dettes karmique. Fais remporter la victoire et installe la paix. Capacité de s'affirmer positivement, de manière respectueuse et constructive. Franchise. Loyauté, courage, bravoure, succès dans les entreprises, sagesse acquise, compréhension du fonctionnement des frontières dans les mondes parallèles. Accorde le passeport universel. Aide à bénéficier de la confiance des supérieurs. Obéissance à ce qui est juste. Grande faculté d'aider les autres. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Prétends être un guerrier de lumière, extrémisme spirituel. Impose sa volonté, ses convictions, sa croyance, essaye de contrôler les autres. Mission diabolique, force démoniaque. Abus de pouvoir, dictature, mégalomanie. Fanatisme, terrorisme. Guerre, fléau, comportement agressif, brutal, vindicatif. Massacre et traitement
impitoyable de prisonnier. Infraction des lois, criminel, malfaiteur. Emprisonnement. Injustice. Tendance au surmenage. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Agression. Aide à résoudre le karma. Courage, bravoure. Force de volonté. Guerrier, guerrier de lumière. Douce pensée angélique. Thank you.